Bronnie, Zonix et Tilou se font bichonner dans ce cours de toilettage. Ces élèves de première en conduite et gestion d'une entreprise canin et félin apprennent l'art de manier les ciseaux. Pour elles, pratiquer sur de vrais chiens est important. Je trouve ça très bien parce que nous, ça nous entraîne et puis pour plus tard, on pourra ouvrir notre salon de toilettage plus facilement sans avoir un stress où j'ai jamais toiletté de chien, j'ai juste ouvert un bouquin pour apprendre comment faire. Nous, on a déjà eu la pratique. Je trouve ça important comme ça, au milieu professionnel, on saura comment accueillir les clients, comment parler. On exerce directement sur l'animal. On peut voir aussi comment le chien va réagir et par rapport à ça, on peut apprendre d'autres techniques pour manipuler le chien et des choses comme ça. Comme dans un salon de toilettage classique, cette classe reçoit elle aussi ses clients et en compte une quarantaine. Ici, les prestations coûtent deux fois moins cher. Un rapport qualité-prix avantageux, mais surtout un moment de convivialité. C'est une autre approche des toilettages, c'est agréable, voilà. On ne dépose pas son chien, puis on vient le rechercher, on discute, voilà, il y a un lien. J'ai toujours eu des réponses à mes attentes, voilà, donc c'est pour ça que j'ai continué. J'ai aucune peur de les laisser entre les mains des élèves. On sait que, de toute façon, on sait qu'ils sont là pour apprendre, mais ouais, c'est guidé par Cindy, qui se débrouille très bien. Donc non, franchement, c'est parfait. Après avoir été à leur place il y a quelques années, Cindy forme désormais les élèves de ce lycée. Pour elle, il est important d'apprendre tout en pratiquant. Chaque jeudi, deux à trois chiens sont reçus par demi-journée afin de prendre le temps de former correctement les élèves et de s'en occuper étape par étape. On a besoin aussi des clients pour pouvoir enfin, adapter nos élèves. Et l'avantage, c'est qu'on peut être à plusieurs pour gérer les grands chiens. C'est pas forcément évident quand on est tout seul. Il y a des chiens qui peuvent se rassurer, par exemple, pendant un bain ou un séchage, à venir au contact des personnes. Après une nouvelle coupe et une dose de câlins, les chiens repartent heureux, tout comme leurs propriétaires. L'école Sup Santé Animale de Montaigu propose, elle aussi, le même service de toilettage pour les particuliers.